Yeah. Ho here mā, ngā moaroa i rona tātou tu tātou whareir ā i tēnei pūpū. I rona hoara tu tātou huira atira o te tēr hei mei i te pūpū no te whāro e no te mata i te ei te mau ahuipa e te mau whaoti ā o ta te mau mero tātou i maiti e whaoti no te pūpū. Ia utou te mau hoa kia no te apora rei no purinitia whrani, i ora nā tātou paurua i tō tātou whareir a i tēnei pūpui. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour le retard pris dans le commencement de cette séance. En tout état de cause, la séance qui a été suspendue jeudi dernier est donc reprise. Auparavant, je voudrais simplement vous faire part d'une demande qui a été formulée par les présidents du groupe Tahuer A et Rima Ohupa, qui ont souhaité que l'on suspende la séance d'aujourd'hui à jeudi prochain. La demande est motivée notamment par le fait que selon eux, selon les présidents de groupe, l'Assemblée n'est pas composée de manière démocratique, pour reprendre un mot qui a été utilisé tout à l'heure dans mon bureau. Cette demande avait déjà été formulée, souvenez-vous, en fin de semaine dernière, et elle est donc reformulée encore ce matin. Alors, pour ma part, j'ai bien entendu les arguments des uns et des autres, puisque j'ai reçu les trois présidents de groupe ce matin. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la séance a commencé avec un certain retard. J'ai donc pris en compte les argumentaires des uns et des autres. Je dirais que pour ma part, sans pour autant aller jusqu'à faire davantage de commentaires sur une décision que vous prendrez tout à l'heure, il est vrai que la démocratie aurait souhaité que, au sein de l'Assemblée, toutes les forces, toutes les composantes, tous les courants soient exprimés. Bon, je regrette, et ça c'est une opinion personnelle, hein, je tiens à le dire, je regrette que, au niveau de notre président du pays, certaines décisions qui lui appartenaient n'aient pas été actées ce matin. J'aurais tant souhaité que cela eût été pris pour que au moins la sérénité puisse revenir dans l'enceinte de notre hémicycle. Mais ceci est dit, je respecte néanmoins le pouvoir de notre président du pays. Par souci de démocratie et afin également que la sérénité soit respectée dans l'enceinte de l'hémicycle, je vous propose, chers collègues, de soumettre à votre vote la décision de suspendre la séance ou non. Hein, c'est une décision qui appartiendra à l'ensemble des élus. Donc je vous propose, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, que nous procédons au vote sur cette demande de suspension de la séance. Monsieur Maron Matawa. Maroro Briteni, au nom du groupe UPLD, nous aimerions vous demander si on peut avoir 10 minutes de suspension, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous pouvez, M. Mataoua, justifier cette demande de suspension, d'autant plus qu'on a commencé avec un petit peu de retard, hein, s'il vous plaît. Oui, parce qu'il faut qu'on se concerte avant de prendre cette décision, si oui ou non nous participons à ce vote. Voilà. Et combien de temps vous souhaitez? 10 minutes. Est-ce que les deux autres présidents de groupe y voient un inconvénient, M. Jean-Christophe Buissou? Monsieur le Président, merci bien. Mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Je pensais que nous avions eu une discussion claire dans votre bureau. Mais enfin, si cette demande de suspension peut justifier un vote qu'on espère favorable pour notre démocratie, 10 minutes ne sont pas trop longues. Je vous remercie, M. Buissou. M. Fritsch, y voyez-vous un inconvénient? Non, a priori.
Bien, donc, puisque... Alors, je vais d'abord faire procéder à un vote, puisque vous savez que le règlement, dès lors qu'il y a une demande de suspension formulée par un président de groupe, cette demande doit être soumise à l'ensemble de l'assistance. On adopte à l'unanimité cette demande de suspension pour 10 minutes formulée par le groupe UPLD. À l'unanimité? À l'unanimité. Je vous remercie bien. Donc, 10 minutes de suspension sont accordées. Merci. La séance est reprise. Nous allons donc, ainsi que je l'annonçais tout à l'heure, procéder au vote de la demande de suspension de la présente séance à jeudi prochain. On fera donc un vote à main levée, si vous le voulez bien. Qui est pour la demande de suspension? Vingt-sept voix pour. Qui est contre la demande de suspension? Zéro voix contre. Zéro voix contre. Qui s'abstient? 27 abstentions. 27 abstentions. Donc, la demande de suspension est acceptée. Je suspends la séance à jeudi prochain, 9 h. Auparavant, attendez, excusez-moi. J'avais oublié, effectivement, j'ai vu quelques doigts se lever. Des explications de vote, Monsieur Anthony Géros. Merci, Monsieur le Président. Le positionnement de l'UPLD par rapport à la proposition de suspension résulte d'une présomption d'irrégularité que nous pressentons quant aux opérations électorales futures, étant donné que, normalement, au cours de la même séance, ces opérations doivent être effectuées et il ressort du règlement intérieur que nous avons fait un premier report, non pas au jour ouvrable suivant, mais au deuxième jour ouvrable suivant, c'est-à-dire au lieu de le faire au samedi, on a déjà reporté aujourd'hui mardi. Et aujourd'hui, pour des raisons qui dépassent l'entendement, on propose à nouveau de reporter encore à jeudi. Donc nous préférons ne pas participer à la prise de position parce que nous avons de fortes présomptions de risque d'irrégularité par rapport au scrutin qui va se dégager jeudi prochain. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est, Monsieur le Président, c'est par rapport à une de vos déclarations en préambule de notre séance de ce matin, pour dire tout simplement que le président du pays est très respectueux de la coalition qui a été mise en place. Et or, un maillon fort de cette coalition, c'est notamment le président du IARP. Donc, son positionnement par rapport à sa décision de démissionner tout en laissant deux de ses colistiers toujours au gouvernement, laisse interrogateur et perplexe le président du pays par rapport à sa réelle volonté de démissionner ou bien de mettre juste un pied du côté d'une majorité qui semble être la sienne aujourd'hui, mais tout en laissant l'autre pied du côté de son ancienne majorité, en disant un peu comment les cartes vont se démêler et ensuite rebondir, le cas échéant, à son avantage. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas présager de ce que sera le futur, même si on avait une boule de cristal devant les yeux. En tout état de cause, au nom de l'UPLD, nous avons décidé de nous abstenir. Par vous. Je vous remercie, Monsieur Géros. Monsieur Buisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais, au nom du groupe Télémans UPA, vous remercier pour votre prise de position à vous et à Madame Nicole Bouteau pour ce report de notre séance. Bien entendu, nous connaissons les arguments des uns et des autres. Je crois que personne n'est dupe au regard de la position défendue par Anthony Giros, qui vient un peu au secours de quelque chose qui est parfaitement scandaleux de la part du président du pays. Voilà une semaine maintenant qu'un élu du peuple ne peut pas siéger au sein de notre hémicycle pour faire valoir ses droits d'élu. Et nous avons déjà constitué le bureau de l'Assemblée, ne revenons pas dessus, mais notre séance aujourd'hui devait se poursuivre sur la constitution des commissions,
et aussi de la commission permanente. Donc, on a bien compris, et je crois que l'opinion publique n'est pas leurrée dans ce qui se passe maintenant, et nous sommes heureux que la voix de la sagesse soit descendue après ce week-end pascal sur une majorité dans notre Assemblée, et surtout sur vous, Monsieur le Président. Merci encore une fois. Merci, Monsieur Buissou. Peut-on parler de résurrection? C'est un mot qui est interdit. Monsieur Fritsch, vous voulez prendre la parole? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, au nom du groupe Tahoeira Huiratira, vous remercier de cette sage décision que vous venez de prendre, de reporter notre séance à jeudi. Comme M. Buissou, je m'inscris contre les déclarations de M. Géros, puisque vous avez été sensible, M. le Président, lors de notre entrevue ce matin, au principe de démocratie qui commande qu'un élu ayant démissionné de ses fonctions de gouvernement doit reprendre sa place parmi nous, et c'est le cas d'Émile Vernodon. D'autant que je réprouve le schéma de M. Géros, car il ne s'agit pas, je pense, pour M. Émile Vernodon, d'avoir un pied à gauche et un pied à droite, mais il s'agit bien, en l'occurrence, et nous nous en tenons qu'à cela, de lui donner son droit, que j'estime avoir été séquestré par le président Oscar Temaru. Il est de son droit aujourd'hui de vouloir s'exprimer avec nous au sein de cette Assemblée. Comme je vous disais, Monsieur le Président, en conférence des présidents, nous estimons en effet que le président Oscar Temaru prive Monsieur Émile Vernodon de sa liberté d'expression en retardant la prise d'acte de sa démission. Donc, nous avons voté pour, de façon à ce que jeudi nous puissions laisser l'opportunité à M. Émile Vernodon de s'exprimer ici. Merci. M. Fritsch, merci. Mme Nicole Bouteau. Oui, merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je souhaitais également expliquer le vote pour la suspension de séance. Alors, je ne sais pas pour ma part s'il s'agit vraiment d'une question de sagesse. Autant je ne partage pas les différentes discussions, tractations qu'il peut y avoir d'un côté comme de l'autre, autant effectivement il y a un élu, membre du gouvernement, qui a déposé sa démission il y a une semaine de cela. Aujourd'hui d'ailleurs on le voit, il y a au moins un siège qui est vide. Nous n'avons pas le vrai visage de l'Assemblée. Je crois qu'il faut arrêter. Certains y verront peut-être le temps donné aux uns et aux autres pour continuer des discussions, ben que chacun assume ses responsabilités. Et je dis effectivement, nous verrons bien, qui que soit cet élu en démocrate, et c'est la position que Philippe Schill et moi-même avons pris, cet élu a le droit de s'exprimer et j'espère qu'il pourra le faire jeudi, en son âme et conscience. Marou. Merci, Madame Bouteau. Monsieur Floss, c'est bien une tolérance. Hein? Chacun peut s'exprimer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais simplement m'adresser au Président Géros et lui rappeler la déclaration qu'il faisait lorsqu'il a été élu président de notre Assemblée. Voici ce que déclarait en substance Monsieur Géros. Pour moi, le Taoui n'est pas un vain mot. Je souhaite contribuer à le mettre en œuvre au sein de cette Assemblée en y associant tous les élus, en demandant à tous d'oublier les rancœurs, les inimités, les disputes du passé, en proposant à nos adversaires politiques l'ouverture au sein des instances de notre Assemblée, en permettant à chacun de s'exprimer au sein de cet hémicycle. Monsieur Géros, vous interdisez à un élu du peuple de s'exprimer dans cet hémicycle. Monsieur Géros, vous ne pratiquez pas cette ouverture, vous ne les proposez pas à vos adversaires, vous n'oubliez pas vos rancœurs,
Vous n'oubliez pas vos inimitiés, vous n'oubliez pas les disputes du passé. Enfin, faites en sorte que vos paroles concordent à vos actes. Et intervenez auprès du président pour que le président donne acte à M. Vernodon de sa démission et qu'enfin un élu du peuple puisse prendre la parole et s'exprimer au nom de ce peuple. Merci M. Floss, Mme Tamara Bourg-Dupont et enfin M. Géraud. Je souhaiterais néanmoins qu'on ne suscite pas davantage de débats. Hein, vous expliquez chacun et chacune votre vote. Mme Tamara Bourg-Dupont. Merci Président. Je voudrais simplement réagir au propos de M. Gaston Floss, un donneur de leçons. Je vous assure que si nous sommes dans une situation compliquée comme aujourd'hui, c'est bien grâce à vous, Parouera. Vous avez tellement l'habitude, s'il vous plaît. Vous avez tellement l'habitude de tricher que aujourd'hui, on est dans une situation compliquée à gérer. Non, Monsieur Floss, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Vous avez eu votre temps de parler. S'il vous plaît, Monsieur Floss, s'il vous plaît, Monsieur Floss, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous laissez d'abord Madame Bourg-Dupont s'exprimer, s'il vous plaît, Monsieur Floss. Monsieur Floss, s'il vous plaît, un peu de respect, Madame Bourg-Dupont, poursuivez. Oui, ce que je voudrais dire, nous avons élu un président qui est Monsieur Gilles aujourd'hui. Il a Président, clôturons la séance. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée. Nous le respectons. Nous le respectons. Mais arrêtez de donner des leçons aux autres. Vous êtes des tricheurs et vous n'arrêterez jamais de tricher. À tout bout de champ, vous êtes en train de tricher. C'est pour vous, ça que c'est vous qui trichez aujourd'hui. C'est vous qui trichez aujourd'hui. Non, hein, c'est pas à toi que je m'adresse, hein. Monsieur Bouissou. Mais c'est notre président, c'est nous qui l'avons élu. S'il vous plaît. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le président. Merci de m'avoir donné la parole. Bien, merci madame Bourg-Dupont. Toute dernière intervention de monsieur Géros. Je tiens à préciser que je suis le président de tout le monde. Monsieur Géros. Merci, Monsieur le Président, même si ça ne fera pas plaisir à Monsieur Floss. Je voulais tout simplement dire à Monsieur Floss que l'UPLD ne nourrit aucune haine vis-à-vis de vous. Donc c'est la raison pour laquelle nous vous disons que nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons tous des partenaires au sein de cet hémicycle et ensemble, nous faisons avancer les choses. Vous avez bien pris note de la décision d'abstention de l'UPLD de ce matin, ce n'est absolument pas pour interférer sur la décision favorable de suspension que nos partenaires de cet hémicycle ont décidé de prendre aujourd'hui. Le deuxième point, je voudrais vous inviter, Monsieur Floss, à intervenir auprès de Monsieur le Président du IAAPI pour essayer de lui faire prendre position définitivement, parce que pour l'instant, il y a deux ministres du IAAPI qui sont toujours en fonction au sein du gouvernement. Et le président du pays, qui est M. Oscar Temaru, n'a aucune volonté de démettre des gens qui veulent continuer à travailler pour leur pays, quel que soit leur parti politique. Il appartient maintenant au président de ce parti politique de prendre des décisions matures, des décisions d'hommes intègres, puisqu'il s'est engagé lui-même à signer son appartenance à l'UPLD et au respect de l'engagement pris. Monsieur Floss, fin de commentaire. Maruru. Il est libre. Bien. Chers partenaires, je vous propose de suspendre la séance et nous nous revoyons jeudi à 9h. Je vous remercie bien.